S'il y a-t-il une nouvelle aventure qui se présente pour Ali Badou. Celui que le public a découvert dans le grand journal sur Canal+ et qui s'illustre depuis plusieurs années aussi bien au micro de France Inter que dans C'est l'Hebdo, sur France 5, a un nouveau projet qui verra bientôt le jour. Il s'agit d'un talk show, intitulé Sur le fil, qui sera lancé prochainement sur France 2. Le concept, un rendez-vous mensuel sans tabou ni filtre qui met en lumière une thématique forte qui divise la société. Comme l'indique le descriptif de l'émission, cette dernière aura pour objectif de libérer la parole d'une part et redonner ses lettres de noblesse au débat tout en valorisant la liberté d'expression et la capacité d'écoute. Le talk show, animé par Ali Badou et mis en scène par le directeur artistique Jérémy Lipman, recevra des personnalités pour participer au débat et trouver des solutions vers le mieux vivre ensemble. La production annonce déjà Stéphane De Groot et Jacques Weber parmi les prochains invités. Si vous souhaitez participer au tournage de la prochaine séance, qui se tiendra le 22 et le 23 février entre 13h et 18h au studio Gabriel à Paris, il vous suffit de réserver votre place en ligne, le pass vaccinal est obligatoire. Ali Badou, ce trait de personnalité inattendu de l'animateur toujours empreint de calme et de sérieux sur les plateaux de télévision, Ali Badou n'est pas forcément le genre de personne que l'on imaginerait être brûlée. Et pourtant, d'après les confidences de l'animateur dans les pages du L en mai 2021, l'un de ses plus grands défauts reste l'absence de prudence. Je suis une sorte d'ado débile qui n'a pas de limite, jamais peur d'escalader un truc ni de me jeter dans un lac, confiait Ali Badou avant d'ajouter, tant mieux peut-être. Sauf que je me suis cassé 5 fois chaque jambe. Loading widget. We'll be right back.